entrée, c'est ouvert. Salut Rob le Grissi. Salut ma fille. Stop. Je ne suis pas ta fille. Appelle-moi Rihanna. Rihanna Alexus. Je dis, hein, même si vous êtes Lady Ponce, Catine ou Béance, vous croyez véritablement que vous avez le droit d'entrer comme ça chez moi? Vous entrez, je ne vous ai même pas permis de vous asseoir. Vous l'avez fait. Et pour couronner le tout, vous vous retrouvez en train de me tutoyer. Vous me connaissez quelque part, ma fille? Oh, le Grizzly. Je t'ai dit, je ne suis pas ta fille. Appelle-moi Rihanna. Rihanna Lexus. Ah là 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 là. C'est vrai ce qu'on dit. Hein. Quand la nuit s'est mal lavée, c'est le cerveau qui souffre. Honnêtement. Qui vivra, verra. Donc je reste comme ça ma chose chez moi. Ma part vient me trouver. Ok, Rihanna. Rihanna Lexus. Que me voulez-vous? Que me vaut l'honneur de votre présence en ce lieu? Hein? Vous me connaissez? Je te connais. Vous me connaissez? Oui, je te connais. Comment? Où? Il y a de cela, crois-moi. Je t'écris. Je t'écris sur ton messenger. Tu ne me réponds pas. Pourtant, tu vois mes messages. Mais, je dis à ma fille, est-ce que vous pouvez savoir combien de personnes m'écrivent par jour sur mon messenger? Hein? Ce n'est pas par mépris que je ne réponds pas. C'est juste parce qu'à un certain moment de ma vie, je me retrouve tellement occupé par le travail que je fais. Si je passe le temps seulement à répondre, je ne pourrais même pas vous produire des films. Je ne pourrais pas produire des films. C'est la raison pour laquelle je prends du temps parfois pour répondre, mais ça ne voudrait pas dire que je n'aurais pas fini par vous répondre. Hein? J'aime bien ce que tu fais. Ton rôle d'acteur me donne des frissons. Pardon? Ton rôle d'acteur me donne des frissons. Je veux aussi faire du cinéma. Et en fait, c'est la raison pour laquelle je tenais à connaître où tu vis. Vous voulez faire du cinéma? Mon jeu d'acteur vous plaît. Vous êtes passionné du cinéma. Ça vous donne des frissons. Ok. D'accord, j'ai compris. Vous avez quel âge? J'ai 15 ans. Vous avez quel âge? 15 ans. Ha! J'ai bien dit. J'ai bien dit. Quelqu'un, tu restes là, ta part vient te trouver. Est-ce que vous savez que pour faire du cinéma, d'un d'abord, vous devez corriger votre mentalité parce qu'elle paraît sale là. Vous ne pouvez pas arriver chez quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous mettez à le tutoyer. De deux, vous devez corriger votre tenue vestimentaire. Regardez-vous. Vous disiez que vous alliez où? À une scène pornographique? Le ventre est dehors, les cuisses sont dehors. Regardez, les mâchoires des fesses sont dehors. Mais c'est pour vous. La poitrine est dehors. Pour qui? C'est pour toi. Pour qui? Toi. Moi. Ouais, c'est pour toi. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour te séduire. Pour me séduire? Ouais. Vous voulez me séduire? Bien sûr. N'est-ce pas? Eh, ma vie. Ma vie. Sachez donc que si vous voulez faire du cinéma, vous devez corriger ces aspects-là. Et par-dessus tout, pour couronner le tout, mademoiselle, ma fille. Je ne suis pas ta fille. Vous êtes ma fille. Je ne suis pas ta fille. Je suis même sûr que vous êtes ma petite fille parce que, à vous voir, je ne peux même pas être votre père, mais votre grand-père. Malheureusement, tu n'es pas mon grand-père. Oh là 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 là. Sachez donc que pour faire du cinéma, n'est-ce pas? Vous devez me fournir une autorisation parentale. Ce sont vos parents qui doivent décider de vous, où vous devez faire du cinéma ou non. Ou alors vous partez, vous les ramenez, ils viennent ici et ils viennent me dire, effectivement, nous voulons que notre fille fasse du cinéma. Et même s'ils viennent ici, ils vont toujours me laisser cette autorisation parentale. Vous comprenez? Non. Vous ne comprenez pas? Oui. Waouh. Vous ne comprenez pas? Vous venez là chez moi comme ça, habillé ainsi, comme si, je ne sais pas. On vous a dit que le monde du cinéma, c'est quoi? C'est la débauche? Ah, ça ne me regarde pas. Ça ne vous regarde pas? Oui, je suis venu pour toi. Pardon? Ça veut dire quoi? Vous êtes venu pour moi comment? Pour votre cinéma que vous voulez faire ou pour moi? Les deux. Les deux? Oui. Wow, ma fille. Ma fille. Rob le Grissi. En fait, je t'appelle même comme ça. Pourquoi? Rob le Grissi. Je suis prête à tout.
pour faire du cinéma. Je dis bien à tout. Vous êtes prête à tout pour faire du cinéma? Ce n'est plus Rob le Grizzly, c'est Rob le Zizi. Bien sûr, j'aime bien ça. Ça m'excite encore plus. Pardon? Oui. Donc vous êtes prête à tout, ça veut dire qu'elle peut entrer là-dedans. Je peux entrer là à l'intérieur, prendre une machette, venir vous mettre à plat là, commencer à vous fesser. Que vous seriez d'accord d'être fouetté parce que vous voulez faire du cinéma, c'est ça? Non, c'est pas dans ce sens. Dans quel sens? Dans ce sens, tu vois pas. Lequel? Mais ma fille, vous êtes une mineure, vous êtes une petite fille. Hein? Je suis pas petite. Vous êtes petite. Je suis pas mineure, ok? Vous êtes mineure. Regarde-moi hein? bien. Le corps aussi ressemble au corps d'une fille qui est mineure. Pardon, asseyez-vous. Pardon, asseyez-vous. Asseyez-vous, ma fille. Je ne veux pas de problème, pardon. Quel problème? Je vous dis, je vous répète que le monde du cinéma, ce n'est pas le monde de la débauche. Vous faites quoi dans la vie? Je suis élève. Vous êtes élève? Oui. Vous faites quelle classe? Troisième. Ah, vous faites troisième? Oui. Ça veut dire que vous n'avez même encore obtenu aucun diplôme secondaire. J'ai mon CEP. Ah, le CEP. Le CEP? Oui. Vous avez votre CEP. C'est pour faire quoi après, ma fille? Avec le CEP que vous avez? Je peux faire ce que je veux. Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez? Oui. Au lieu donc de vous concentrer sur vos cahiers, de faire l'école, vous venez dans le cinéma à 15 ans. Mais je peux arrêter ça. Je peux arrêter l'école. Vous pouvez arrêter l'école? Oui. Arrêter l'école? Oui. Ma fille, vous arrêtez l'école? Bien sûr. Avec niveau, niveau CEP, vous arrêtez? C'est pas beaucoup. Sachez donc que vous ne pouvez pas faire le cinéma et dire que vous faites l'école. Et vous ne pouvez pas décider comme ça d'entrer d'arrêter l'école sous le fallacieux prétexte que vous voulez faire du cinéma. J'arrête l'école comme je veux, c'est pas toi qui me payes l'école. Ma fille. Je suis pas ta fille. Vous êtes insolente, hein. Vous êtes vraiment insolente. Mais je continue de vous dire une chose, hein. Le monde du cinéma, c'est pas le monde de la luxure. Vous comprenez? Ça là, ce que je vois là, ce n'est pas ça. Ah, mon nom le dit. Et... Ah, votre nom le dit. Oui. Rihanna Lexus. Bien sûr. Pardon. Pardon. Moi, je n'ai pas la force de conduire cette Lexus-là. Allez chercher vos égales. Hein. Allez chercher vos égales. Mais tu es mon égal, vos égaux. Rob le Zizi. Vous m'appelez comment? Rob le Zizi? Ouais. Ça, c'est quel mépris, ça. Mettez-vous debout et rentrez chez vous. Déjà. Hé, hey, allez chez vous. Déjà, déjà, déjà quoi? On vous dit quoi? On vous dit qu'ici, là, seulement la débauche. Hein? Vous faites quoi, là? Maman, regardez. Elle tourne ses fesses. Elle est venue faire le cinéma. Vraiment. Elle vient même m'empêcher de dormir. Pourtant, je voulais dormir.